Il est très difficile de faire la volonté de Dieu. Déjà, il faut prier, faire quelques sacrifices et jeûner. Puis, il faut écouter le ciel. Bien sûr, on n'est jamais vraiment sûr que c'est le ciel. Moi, quand j'ai une idée qui me vient pendant que je prie, je prends ça pour une réponse et je cherche à comprendre. Bon, j'avoue, quelquefois, je ne comprends rien. Puis, je pose des questions. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que cette idée est une bonne idée? Peut-être que je dois faire ça ou ça. Je t'en prie, réponds-moi. Je dois faire le choix de l'amour, ça me paraît pas mal. Bon, au départ, on a l'air un peu con, et ça paraît un peu idiot, mais il faut s'accrocher. Quand vous avez un début d'idée, foncez. Et même s'il y a des problèmes d'argent, de couple, de voiture, d'enfants, dites-vous que si Dieu veut que vous fassiez ça, il a déjà pensé à tout. Il ne vous envoie pas dans un mur. Il a tout prévu et a déjà trouvé des solutions à tout. La confiance. Puis, vous devez faire mourir vos propres idées. C'est-à-dire que vous devez repérer les idées qui viennent de vous. Et vous ne devez pas les faire. Vous allez voir, c'est assez difficile. Un conseil, faites-le en sacrifice pour Dieu. Il est difficile de ne pas faire ses propres idées, ils reviennent souvent. C'est ce que l'on appelle la mort du vieil homme, je crois. Quand vous avez fait cela, vous devez montrer à Dieu que vous voulez faire sa volonté, et aller jusqu'au bout. Et donc faites ce que vous croyez être sa volonté, même si vous n'êtes pas sûr. Et si ce n'est pas ça, rassurez-vous, Dieu vous rattrapera et vous donnera la grâce que vous attendez depuis longtemps, ou vous donnera le chemin. Si vous avez des angoisses ou du stress, parce que vous avez peur de ne pas y arriver, ou parce qu'il y a d'autres problèmes, dites-vous bien que Dieu sait déjà que vous allez y arriver. Alors, confiance. Apparition de la Vierge Marie. À Madurai, en Inde, pendant la rénovation d'une église, des traces d'humidité ont formé la silhouette de la Vierge Marie en prière. En effet, on peut voir la silhouette d'une femme, les mains jointes en train de prier Dieu. Thomas a diffusé ces images le 18 août 2017. Aujourd'hui, je vous présente en 2 secondes ma boutique. Voici 2 vidéos ultra courtes de ce que je vends. La boutique. www.croixacier.fr. Message du 25 mai 2003 à Medjugorje. Chers enfants, aujourd'hui encore je vous invite à la prière. Renouvelez votre prière personnelle et, de façon particulière, priez l'Esprit-Saint afin qu'il vous aide à prier avec le cœur. J'intercède pour vous tous, petits enfants, et je vous invite tous à la conversion. Si vous vous convertissez, tous autour de vous seront renouvelés aussi, et la prière leur sera une joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. J'aimerais vous demander de prier pour Aude, une fidèle qui a perdu le moral. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas la petite cloche pour être alerté à chaque nouvelle publication. Vous pouvez soutenir ma chaîne et faire un don, ou alors voir ma nouvelle chaîne, ou voir d'autres vidéos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner en suivant la flèche rouge.